Salut à tous, salut YouTube. Bienvenue sur Total Warhammer 3. Ce soir, on va continuer la campagne avec Scrag le Désosseur. Nous sommes au quatrième épisode. On avait plutôt bien avancé la dernière fois. On avait récupéré le chaudron pour Scrag, qui était l'un des objectifs de la victoire mineure. Actuellement, on est en train de se diriger vers le sud pour dégager l'armée qui est en train d'assiéger Sartosa. Et on utilisera Scrag pour revenir vers le nord petit à petit. Et là, je pense qu'on construit une seconde armée avec ce seigneur-là. Pour monter vers le nord, vers l'Empire, récupérer quelques points dans les montagnes et se mettre bien, quoi. Et on est surtout copain avec Vlad von Karsten, donc ce qui était plutôt inattendu, mais on va en profiter. Donc voilà, là, un petit peu le programme et les réjouissances. Hop. Bien. Donc là, on va essayer de remonter l'ordre public aussi. Là, je pourrais recruter des choses ou pas. Là-dedans, il y a quoi là, dans le camp? Donc, on a des ogres classiques. Et je vais peut-être partir sur... Je vais faire... Allez. Je vais faire deux meutes, là, ça devrait être suffisant. Bon. Salut, maman, comment ça va? Bah ça va bien, et toi? La panse elle vient juste de démarrer. On va essayer d'aller dégager du Skaven et discuter un petit peu. Bon, il va nous déprendre Skaven Blight, c'est ça l'idée? Ok, on va aller récupérer Skaven Blight avec Sartos avec Scrag. Alors qu'est-ce que tu veux? Là, l'idée, ça va être de défoncer le clan Scryer à fond et, récupérer des colonies qui nous manquent pour gagner la campagne. Ok, monsieur. Nos cannibales, ça y est. Ils sont au sommet de leur art. Donc là, dans deux tours, on y est. Ici, on est en train de faire quoi? On a de l'argent. Mais c'est pas encore fini. Donc là je vais faire deux cavaliers comme ça. Oh, on peut faire des Master Rock, ça pourrait avoir son utilité à un moment. Mais ça nous coûte beaucoup d'argent hein, quand tu regardes. Oh, j'ai envie de te dire, deux Master Rock dans cette armée, ça pourrait être un bon plan. Hein. Mais deux crash plombs également. On va faire un petit peu de puissance là pour cette seconde armée. On arrive bientôt là. Alors on a fait notre technologie. Bon, ça c'est bien. Boucherie du champ de bataille ou plus grosse tente. Bon, on va faire les plus grosses tentes comme ça pour monter un nouveau camp. Donc là on va récupérer ce qu'on nous a piqué. Les Skaven, là on va les faire un peu trembler. Ah, c'est l'armée qui a attaqué, qui s'est repliée, j'ai l'impression. Donc là, il va nous faire trouver des nouvelles contrées à aller chercher. Oh, il y a Durtu, il est où, là? Oh, Durtu, il se pointe, ok. Voilà. Tu me rends Sartosa. Merci. Alors, ça a donné quoi tes petites expériences, Momon? Alors, Durtu, il est où, lui? Ah oui, monsieur va attaquer, là. Alors, Durtu, t'es en guerre avec qui? Tu me proposes un traité de paix. Je vais pas accepter le traité de paix tout de suite. Il a l'air bien amoché, par contre. Bon, à Kendorf, logiquement, on va avoir une petite garnison. On a deux lanciers squelettes et une goule supplémentaire. Je vais recruter un seigneur ici. Je vais essayer de recruter un... pour tenir un peu la ville. Et là, je vais faire une défense à Argalis. Donc
Donc là, on va essayer d'ensuite d'aller récupérer Riff Raffra et de partir pour Skavenblight. Et ensuite, on verra pour récupérer l'Istalie, on verra. Ok, donc à mon avis, le clan Scryer est en Estalie, hein, ça c'est sûr. Donc Skavenblight, c'est notre cible prioritaire. Et après, on verra. Donc je bois une petite bière Guinness au passage. Très bonne bière, mais toujours avec modération. Santé à vous. Il va me déclarer la guerre, je parie. Bingo. Par contre, je vais pas demander l'appel de la Sylvanie. Ils sont en guerre avec... Ah, ils sont déjà en guerre avec la Sylvanie. Bon, c'était pas nécessaire non plus, mais bon. Victoire de justesse. Allez, on prend. Oh. Avec le couple Lémur, c'est lui, là. Lui, on va le replier le temps 2. Et je vais aussi améliorer, alors, dès que possible, Karakhan Gazar. Je pourrais améliorer, je vais faire de la cavalerie férox ici. Bon, déjà toi. Voilà, on est à 17 unités. Je pourrais recruter quoi d'autre là? Putain, ça coûte, vous coûtez 1800 les mecs. Ouf. J'ai recruté deux ogres comme ça. Ah, ils ont récupéré, putain. Après, je pourrais rendre Lucini tant qu'à faire comme j'ai plus besoin. Et je pourrais me mettre directement en route vers, vers Skavenblight. Ouais. Bon, je perdrai de l'argent, mais je pense qu'en vrai, à Skavenblight, je peux bien me remettre. Alors, Skavenblight, il y a quoi? Il reste combien de territoires? 6. Donc, je pense qu'ils ont 5-6 territoires par-ci, par-là. Et au prochain tour, on se met en route. On va aller récupérer Grimhold, Fallet d'Océine, on va récupérer tout ce secteur. Et si on peut aussi donner ça au comte vampire de Vlad. D'accord, bon, c'est déjà bien après. Un petit peu d'argent en plus. Donc là, je vais rajouter un petit peu plus d'autorité, ça devrait être suffisant. J'aimerais tellement essayer de défoncer Aikit la griffe. Ah bah il est là. Quand on le demande, on le trouve. Donc je pense qu'il faudra peut-être encore 2-3 sessions pour terminer la campagne, peut-être 4. Non, 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 non. Ouais, si ça t'amuse bien. Un autre Sylvain qui a décidé d'embêter le monde. Des nouveaux contrats, tiens, tiens. Feidorf, c'est où? Bah ça c'est mon allié, ça m'arrange pas. Lui ça m'arrange pas. Et lui non plus. Aucun des contrats m'intéresse pour cette fois. On va se planquer là. Un petit camp là. Et on va faire de la viande. Et toi, tu vas tout commencer à te préparer. Et en vrai, je pourrais recruter un seigneur là et le faire se reprendre la vallée d'Océine gratos. Hein. Mais je vais attendre que mon deuxième seigneur se mette en route. On ira chercher Grimhold. Ouais, on va faire comme ça. Ah non, 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 je te fais pas la paix, toi t'es malade. Tu es une malade.
Allez, maintenant, ils vont tous me déclarer la guerre pour la fin de campagne. C'est qui ça encore? T'es sérieux, lui, il vient me chercher alors qu'il est à l'autre bout? Non, sans déconner, faut arrêter un petit peu la bulle, jeu là. Ah bah oui, y a plus de focus sortie player, bah non, hein, tiens, la preuve. Bon, la Verland s'est fait exploser. Plus gros stand, ça va être utile. Bon, Myrmidon, ça va être compliqué à tenir. À moins que... Attends. Bon, s'il veut taper Argali, je lui souhaite bien du plaisir. Il y a toujours un problème. Ok. Oh, attention, ragre mutant. Toi, t'es revenu. Ouf, là. On va dire que c'était pas prévu, ça. Faut dire que dans Warhammer, on choisit la guerre au loin vu que c'est le plus proche. Fini, toi, c'est pas faux. Il y en a qui voient sur le long terme, on va dire, face. Oh non, me dis pas qu'ils vont envoyer toutes leurs armées, ces salopards. Ouais, je vous dérange pas. Les Bonnord Crowd se sont fait exploser aussi. Alors j'ai juste posé le siège là déjà, à Scarogne. Victor et la Pyrrhus, on me dit ok. On va continuer le siège déjà. Ok. On va aller le chercher, lui. Voilà. Bon, la viande, hop, c'est pas très important, là. Tu vas te remettre là-dedans. T'as pris 2 points, je vais te mettre quoi? Voilà. Ah, ils ont la roquette. Attention à la roquette, hein. Parce que là, ça peut être dangereux. On a vu ce que ça fait des roquettes, hein. Il y a beaucoup d'esclaves apparemment. Les moines de la peste, on va essayer de vite les dégager. En vrai, les points d'acier, si je pouvais les remplacer par des Master Rock. Il y a ce canon-là neutralisé aussi. Hein. En vrai, je pense qu'une fois Scarron prise, on aura fait le plus dur après, on pourra progresser tranquillement. On va servir des sorts de scrap pour dégommer ça. Et on enverra le chasseur contre le raogre. Spécial ici. Enfin, ça c'est de la théorie. Bon. Ouais, on a notre capacité, ça c'est cool.
Allez, en route. Bon, c'est bien, notre unité elle attire tous le feu là. Oh putain, ils ont une tour comme ça, mal foutre, quelle horreur. Bon, on va vite l'exploser, hein. Voilà, petite tour, c'est pas mal. Je crois que c'était le missile nucléaire. Bon, ça m'arrange comme ça. Oh, c'est une horreur, Skaven Blight. Hein. Évidemment, ils te mettent tout sur tes tireurs pour emmerder le monde. Ouais. Voilà, let's go. Allez les gars, on rentre. Il y a une brèche, on y va. Bon, les portes là, on y va. Oui, il commence sérieusement à merder là. Allez, une bonne concentration de moines de la peste. Voilà. Allez les gars. Oh putain, ça faut aller chercher ces mitrailleuses. Comme ça là, on va rentrer là-dedans. Comme ça là, on va rentrer. Il faut dégager les mitrailleuses, sinon ça va être une horreur à gérer après. C'est quoi ça? Ouais. Allez les gars. Alors, les trappeurs ici. Voilà. Oh là, ça a bien craqué d'un coup. Allez les gars, faut les aider là. Voilà, on va les nerfer un peu tous ces scaven là-bas. Allez, on va rajouter un petit point là. Allez.
Toi, va me chercher ça, s'il te plaît, merci. Oh putain, Scrag, attention. Mais c'est vénère ce truc-là. Bon, par contre, là, à un moment, faut craquer les mecs, hein. Ouais, il me dit ça depuis tout à l'heure, hein. La victoire est à portée de main, gna 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 gna. Scrag, il a survécu, ouais. Tu vas pas me dire que c'est des pauvres guerriers des clans qui retiennent tout ce pont de l'armée, là. Bon, on va essayer d'éloigner ce cannibale pour pas qu'il se fasse tuer. Non, les canonistes ont... Oh, super. Ouais, bah que ça a été compliqué. Ouais, c'est clair, mon meneur, pour la victoire. Bon, n'empêche, notre armure a fait le travail, hein, dans son ensemble. On se fait tout de suite une garnison. Et du coup, on occupe la 15e colonie. On en est à la moitié. On a pris un rang. Oh, salve continue, ça peut être bien. Portée 10% pour les crash plombs quand ils sont rang 7. En vrai, ça commence à être intéressant là. Par contre, t'as quand même bubble. Elle arrête pas de bugger en ce moment. Je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas si c'est encore quoi le problème, mais je pense que j'en changerai à terme. Oh, on peut recruter des unités là. Eh, hey, il y a du truc là. Émissaire d'outre-tombe, ça serait tellement bien d'en avoir quelques-uns. Je dois avoir une annonce militaire avec Vlad von Karstein. Ah, c'est pas encore ça. Oh, attends. On va essayer de la négocier, cette alliance. Non, tu voudras pas. Mais il y a un coup à faire. Un petit peu de reconstitution. Alors, notre ami... Est-ce que je vais te rajouter plus de points de vie, allez. Ça va être utile puisqu'on va avoir des forces de l'Empire qui vont nous tomber dessus. Bah déjà, on va lâcher la corruption. Là, on va occuper Scarron, on a une bonne position là. Et
Ah non, 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 pas tout de suite. Là, Vlad, il est en train de se faire tranquillement plaisir dans l'Empire, donc on va le laisser faire. En vrai, j'ai tellement envie de tenter une embuscade là. Bon, là, on va tenter de remonter. J'espère juste qu'il n'y a pas une autre armée qui va arriver de je ne sais où. Si je vois qu'il n'y a personne, on va aller chercher Tobaro, on fera sortir la garnison. Ah non, le nain ne te lâche pas. Bah. Bon, après, je m'entends bien avec, tu vois. Donc là, ça, pour le moment, ça va, quoi. Là, on va se faire un petit territoire sympa en Estalie. Évidemment, 70% embuscade déjouée, va t'en comprendre. Oh, derrière il y a du monde. Est-ce qu'ils ont les roquettes encore? Ils n'ont pas les roquettes. Putain, il a ça qui va être relou. Mais je vais le tenter. On va essayer de se servir des crash-plombs pour les défoncer, quoi. Ok, les renforts vont arriver de là. Un petit point de scrag là pour péter une grosse formation de scaven. Ce serait pas déconnant. Mais je pense qu'une fois qu'on aura gagné ici, l'Estalie, ça va être l'autoroute. Putain, ils sont là dans 2 minutes 30. Bon. Ça nous laisse le temps, mais bon. Allez. Voilà. On va s'occuper de lui. Là, on va laisser faire nos modes de crocs de sable sur ses guerriers pour pas qu'ils reviennent. Ouh, ça, ouh, attention. On va attendre les renforts. On va essayer de flanquer comme on peut.
take it all! Guns out, boys! Ah ouais, ils vont continuer à spawner des capacités comme ça, d'accord. Carrément. Voilà. Voilà. Après, tant qu'ils détruisent toutes leurs capacités d'armée, moi ça m'arrange. Moi je peux démolir. Les renforts ennemis sont en approche. Ah, il quittait là, il est rang 10, ok. On va mettre notre corps principal là. Ah ouais, ils veulent continuer de générer des guerriers des clans à gogo, c'est ça l'idée. C'est quoi ça? Oh putain, vas-y. Il m'envoie Ikit en première ligne, bah let's go hein. Si t'es si fou pour faire ça. Ça va, on a empêché le pire d'arriver. Bon, par là, on va revenir avec nos renforts. C'est quoi ça? Esclave Scaven, ok. Ah, il va m'en générer combien des capacités comme ça, lui? On va ramener le reste de nos troupes parce que là, on a besoin de renforts. C'est quoi ça? Scaven Esclave, ouais. Par contre, là, un petit sort pour dégager tout ça, ça serait cool. Genre là. Ou d'aller aider Scrag ici, il est un petit peu dans la galère. Allez, viens aider par là, toi. Bon, là, il y a des unités qui commencent à craquer, mais ça devient compliqué là. Va me chercher lui. Allez, dans le tas là. Voilà. Ça peut aider un petit peu. Tu vas me dire que l'assassin il est encore là cet enfoiré? Non mais bon, à un moment je veux bien, mais faut pas déconner non plus quoi. Et allez, vas-y, je te génère tes Skaven à gogo. Bon, c'est bien, le gros de leur armée est en train de tomber petit à petit. Attention, Gnoblar ici. On va aller chercher les guerriers des clans là-bas. Bon, là, c'est libéré. On a libéré tout un front. Waouh, c'est un carnage. Hein. On va aller le rechercher. Alors, il y a un de mes... Toi, t'es en train de faire... Faut faire gaffe à ça. Ah bah, il quitte la griffe. Là, il y a une belle poche à liquider de, en plus avec des... Voilà, très bien. Ah bah, il quitte. Allez, je t'en prie. Oh, toute l'armée, là, elle est en train d'y passer petit à petit. Allez, on va aller aider de l'autre côté parce que là, ça urge. Hein. Go.
On a eu I Quitte la Griffe, ça va être une bonne nouvelle pour le moral. Bon, là, il va être chiant. C'est pour ça que j'aime pas les Skaven. Salut Kodan, bienvenue à toi. Allez, meurs. Voilà. Nous les avons mis en déroute. On va essayer de faire la poursuite pour tuer le maximum d'unités. Oh, il y a une meute là à aller chercher, vas-y. Oh putain, il quitte la griffe, je le hais. Quand il est joué par l'IA, c'est une horreur. Allez, tuez-les tous là. Je me sers de la capacité pour régénérer eux là, si c'est possible. Voilà. On nous avait dit une victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire de justesse. Bon. Par contre, je vais peut-être perdre un ogre à arme double sur la bataille. Donc là, il reste encore la moitié de l'armée d'Aikitan ici. Bon, les crash clones fait le boulot. Bon, les ogres, à mon avis, les... Hop. 5% je prends. Oh, Aikit la grite est vaincu. 10% d'augmentation des ventes venues. 10% de taux de recherche. Alors, je vais te rajouter des points, Scra. Qu'est-ce que je vais te mettre? Allez, on va buffer un peu les crash plombs. Est-ce que là, ça dirait quoi là? Je perds pas d'unité, victoire décisive. Ok. On va occuper Tabaro, on commence à avancer en Estalie. Je reprends un rang avec Scrag. Ah, les outils de destruction à fond. Là, on va avoir une puissance de feu très intéressante. Et là, je vois qu'on va pouvoir faire de la fusion d'unités. Parfait. Et dire que je me suis allié avec la Sylvanie, je peux avoir des unités de mort-vivant. Ça pourrait être drôle, ça. J'essaie de recruter des unités d'émissaires d'outre-tombe. Ça pourrait être marrant. Et je vais faire quoi, Skaven Blight? Tiens, je vais faire un truc spécial pour les cannibales. Donc là, on va pouvoir se mettre en route vers Magritta, tout ça. Oh, il y a les montagnes Irana, là. Je pense que on pourrait récupérer pas mal de colonies. Donc là, notre ami, ensuite avec notre ami là, on va aller vers le nord. Alors, il y a quoi à Wissenburg? Va récupérer Wissenburg, s'il te plaît, comme ça on n'aura pas de base arrière ici. Et je pense qu'on va essayer de récupérer toutes les montagnes nord du Grise avec la deuxième armée là. Allez, vas-y, une cavalerie férox de renom. Moi, je dis oui. Quand au niveau 2, notre chasseur là, tu choisirais quoi? Bonus contre les unités larges, ça sera utile toujours. T'as un autre point à mettre, plus de vie. Bah tiens, Kodan, vu que tu viens de débarquer. Tu vas aller t'occuper un petit peu de certains de nos ennemis. Alors, où est-ce qu'on te renomme? Tiens, Kodan. Commissaire mangeur, tiens. Non, commissaire grailleur, ça va être... Allez, hop, c'est parti. Commissaire... Attends. Ah ouais, ça sac. Rien de personnel, Kodan, attention. Bon, on va se soigner, on va se reconstituer tranquillement. Et on va se mettre en route, on va aller foutre des claques à l'ami avec qui te la griffe.
Donc là, on est en guerre contre beaucoup d'adversaires, mais bon, je pense que si on joue bien nos cartes, on peut se mettre bien, quoi. Là, on va essayer de repousser, d'étendre notre influence dans l'Estalie. Et on sera à la frontière avec la Bretonie plus tard. Là, lui va me déclarer la guerre aussi. J'ai commencé à me taper tous les comptes électeurs, mais qu'ils viennent, justement. Moi, ça m'arrange. Vas-y, et le nain là. Saleté va. Oh oui, je fais la paix, bah tiens. Bah attends, t'es où toi? Tu peux te redire. On va le rediriger, notre ami. Hein. Non, non, non. Mais qu'est-ce qu'il me fait? On va se mettre en route là. Tu peux pas passer par là? Je vais essayer de voir si on peut pas, normalement si. Parce que eux, ils peuvent se le permettre, hein. Ils viennent, ils t'explosent, bisous. On va se faire des nains avant sur la route. Donc là, on commence à avoir tout leur dirt tight sur la gueule. Bon. Magritta, ce serait notre cible. Alors ça s'arrête où, notre territoire? Ça s'arrête là. Allez, lui, on va aller chercher par la peau des fesses. Voilà. Le petit pourcent qui fera la diff. Une petite garnison là. Je pense qu'on va s'emparer de cette section de montagne aussi, parce que là, les nains commencent sérieusement à me gonfler. Cela, j'aurais dû m'en occuper dès le début. Attends, il y a une grosse armée Skaven là. Pas de fruits et légumes pour nous. Ouais. Putain, je vais devoir faire le tour comme ça. T'es sérieux, le jeu? Bon, bah, qu'il en soit ainsi, hein. Comme ça, là, on va les avoir. Et là, on ira chercher Migdol von Barak. À qui on devrait la faire tomber? Oh, Belagher est en train de se faire défoncer. Victoire de justesse, ils me disent, je la prends. Voilà. Magritta est tombée. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Le faire, oui. Je récupère un point. Je vais faire quoi? Assaut cannibale, ça va être très utile pour invoquer un cannibale. Ça va nous donner plus d'options tactiques là-dessus. Bon, le fort là il nous sert à rien, faut dire ce qui est. Bon, ouais, c'est du coup. Non, 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 tu vas pas t'en tirer comme ça, il quitte la griffe. Non, mais oh. Attention à un coup de Trafalgar des nains avec une confédération surprise. Hein. Oh. Je sais pas où sont partis les nains, mais on va surveiller quand même. On va aller tomber Karakirn, et si on peut prendre Middle Fong Barak dans la foulée avec cette armée, ce serait top. Ça nous sécuriserait complètement nos positions. Allez, viande avariée, viande plus 5.
Ouais, on va aller chercher Nuja, c'est la dernière province pour avoir toutes les stadions, on avance. Ouh, Victor et Lapyrus, on perd deux trappeurs, on prend. Voilà. Alors, Knobler, on va mettre quoi? Allez, résistance physique pour Scrack plus 5%. Étoile chasseur, t'es mortel, ça c'est cool. Qu'est-ce que je peux te rajouter? Allez, point de vie. Un petit peu d'argent en plus. Et là, on va faire. Donc là, on est en train d'être le rouleau compresseur. Tiens, il y a le point de la tombe des Stallions. On regardera au prochain tour ce que c'est. Alors, les restes des rois des Stallions de leur suite royale reposaient autrefois paisiblement en terre. Aujourd'hui, leurs âmes ne connaissent pas le repos. Car un nécromancien opportuniste joue en quête des plus grands guerriers morts-vivants. Tu m'étonnes. En vrai, moi, j'aime bien les petits ajouts comme ça, là, avec les histoires, les emplacements et le lore. C'est toujours cool. Donc là, logiquement, il quitte la griffe. Il lui reste que deux villes. Il lui reste que... Ok. On le tient, il quitte la griffe. Bon, il reforme une armée là, mais bon. Voilà. On se met en route. Donc là, on est à 19 colonies sur les 30 requises. 19 colonies différentes, j'insiste bien là-dessus. Prophète de la gueule, je prends. Putain, je peux avoir la cavalerie féroce et tout. Putain, elle est ils sont chiants, ces cons au sud, bon. Je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Pourquoi vous voulez pas la paix? Non. Et toi? Bon, après, je m'en fous de perdre des colonies. Tant que j'ai des 30 colonies différentes, je m'en fous un petit peu. Hein. Je le dis, c'est un peu choquant de dire ça, mais... Et on nous demande de prendre 30 colonies ou piller ou raser. Donc là, on en aura 20. 22 et 6 fois aller en Bretonie, j'irai en Bretonie, hein. Bon, ça donne quoi si j'attaque là? Ils me disent défaite de justesse. Bon, bah, on va les assiéger. À moins que je fasse une armée, mais bon, en urgence. Bon, vas-y, un autre qui court, je vois bien, ça peut servir. Et là, je peux recruter des unités. Ouais, pas grand chose d'intéressant quoi. On va partir sur ça et deux trappeurs gnoblards en tout. J'aimerais bien que les nains ils sortent là. Comme ça on attirerait toute l'armée. Et je recruterai un seigneur, je vais chercher la ville comme ça. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que tu veux, Vlad? Tu me proposes une alliance militaire? Bah, j'osais plus espérer. Là, ça va nous aider. Là, on va commencer à causer sérieusement. Sur Jeanne, elle est là. Défaite décisive. Qu'est-ce que je fasse contre tout ce full cavalier?
Même avec ça, ça suffira jamais. Et là, je vais tenter un petit move, même si je suis pas sûr que ça passe. Allez, on va aller finir I Quitte la Griffe, là. Il est revenu juste pour se faire détruire. Voilà. Parfait. Ça fait qu'on a les deux tiers de nos colonies, là. Hop, habitué des cavernes, ça peut être utile aussi. Il y a Volkmar qui se pointe tous pour moi, hein, que d'honneur. Même avec ça, ça suffira même pas. Bon, bah, on va continuer, hein. Après, c'est la capitale de province, donc. Tiens, là, je vais tenter mon mouvement. Y a pas un... Bah, toi, tu vas servir. On va aller chercher la vallée d'Océine, tiens. On va améliorer le poste avancé à Drakenov. Parce qu'on a beaucoup de corruption. Oui, on va la baisser. Ça, on va la détruire. Là, en vrai, avec Scratch, je vais commencer à faire un petit retour en arrière. J'essaie d'aller aider pour nettoyer un peu le bazar. Oh putain. Je vais me replier, mais je crois que je suis mort. Il a chopé mon seigneur isolé. Et là, je crois que je vais rendre tout de suite le fort Soul au comte vampire parce que j'ai pas de garnison avec eux et je préfère le filer à un allié qui en aura l'utilité plutôt qu'à moi qui le garde inutilement, quoi. Putain, il a confédéré, merde. Ce que je craignais. Alors, on cherchait quoi déjà? Viande avarie, ok. Vlad, t'es là. J'essaie de lui accamer plus de pognon. Je prends. Comme ça, le fort lui sera utile. Je perds pas le bonus. Bon, une petite défaite valeureuse. On... Non, attends. Ok, bon, on va continuer d'assiéger, hein. Je pense que je vais former une troisième armée ici. Lui, il me plaît bien, là. Voilà, c'est bien. Notre chasseur, on va encore lui mettre un point dans quoi, lui. Chercheur d'ennemis, ça peut être utile. Oh, ça peut se faire, ça. Urzag, il est où, en fait? Bon. On est pas mal. Enfin, c'est relatif, vous me direz, mais... T'as lui, il m'a bloqué mon recrutement. Je vais peut-être le dégager le recrutement. Et j'essaie d'aller chercher Jeanne derrière. En vrai, là, la campagne, on est aux deux tiers. Si j'ai juste 10 villes à pied rasées, moi ça me suffit. Hein. Bon, juste que je reforme bien mes troupes au fur et à mesure.
Bon, il va m'attaquer, fallait s'y attendre. Son armée a pas pris grand chose, il va récupérer Sartosa. Ah oui, il m'enchaîne directement. Il vient de récupérer Lukinis, c'est pas si grave. Je pourrais la rendre comme ça aux hôtes. Lui, il me veut un traité de paix. Ben, moi, ça m'arrange parce que j'ai aucun intérêt à aller te chercher. Tu te débrouilles avec les contes vampires. Comme ça, je fais ma bénédiction. Comme ça, là, avec Scrag, en quelques tours, on sera à notre objectif. Je sais pas ce qu'ils veulent tenter de faire, mais bon, on va se surveiller quand même. Bon, ça va, Feldorf, il y a quand même une garnison intéressante. Ils me disent défaite écrasante, bah on va continuer. Hein. Ils me disent défaite valeureuse maintenant. Bon, on va continuer. Nouvelle tech, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire le rassemblement tribal, ça peut être utile. Il faut que la viande en bataille, puis le rassemblement tribal, ça sera très bien. On va rien faire à Sartosa pour l'instant. On a une bretonienne à l'exploser, quoi. Il va me déclarer la guerre, c'est ça? Oh, trahison perspective de Belagar? Qu'est-ce que tu veux, toi? Bah, putain, tout le monde me déclare la guerre, hein, tu sais pas pourquoi. Vas-y. Là, c'est le tour où tout le monde me tombe dessus. Ils ont mis un terme à l'accès militaire avec moi, c'est con. Bah écoute, s'ils me déclarent la guerre, hein, qu'ils viennent. Hein. Je vais recruter quoi là? Justement. Remplissez vos ventes recrutement moins 2 tours, ça me botterait. Comme ça, là, je peux recruter de la cavalerie férox. Deux comme ça. Allez. Là, c'est un petit peu la même merde, mais on va essayer de corriger le tir. Les colonies qu'on va reprendre, elles compteront pas, bien sûr, à moins qu'on Belagar nous trahisse et qu'on explose. Tout à coup. Encore Arcanis, putain. Ah ouais, vous avez pas le temps d'aller en forêt, hein. Oh putain, maintenant s'il y a Volkmar qui se joint à la fête, là ça va être encore plus compliqué. Allez, on va faire ça. Là, je peux pas faire grand chose pour le moment. Il faut que je serre les dents, que je revienne, que je fasse, je défonce mes adversaires petit à petit. C'est la seule solution que j'ai à l'heure actuelle.
Par contre, là, s'il y a la trahison de Belagar, là, j'aurai un prétexte pour récupérer les voûtes. Non, 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 attends. De toute façon, on va bientôt s'arrêter. Mais je sais pas pourquoi ils m'ont tous déclaré la guerre au sud, je peux comprendre, bon. C'est parce que j'ai fracassé Belgel, c'est ça? Ah bah c'est la fête ici, hein. Bon, comment Sartosa a tenu bon? Bon, je vais recruter un autre... un comme ça. Et quelques crash-plombs. On va recruter 3 cette fois. Là, je continue d'assiéger avec mon armée de l'autre côté. Oh putain, ça y est, il y a l'autre qui vient de se pointer là. Oh, la Sylvanie est en train de se faire rouler dessus. Qu'est-ce qu'il me veut? Ah, tu me proposes un accord commercial. Allons-y. Si on s'entend bien avec Orion, pour le moment, ça pourrait être une utilité. Elle est où, Jeanne? Putain, elle s'est barrée sérieusement. Bon, on va déjà récupérer Lucchini. Voilà. En 35 pour Monsieur Scrag, on va buffer le broyeur d'os. Comme ça, on va encore augmenter nos dégâts. Rassemblement tribal. On va essayer de reprendre Arcalis aussi derrière. Évidemment. Ah oui, il attaque à deux armées. Hein. Le mec, aucune race. Tu veux me déclarer. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu rompes tous tes traités? Ok, le traître arrive. C'est magnifique. Hein. Attends que je revienne. Ok. Et là, je pourrais recruter quoi d'autre? J'ai une bonne ligne correcte, ouais. C'est quoi, j'ai embarqué deux de ces trucs? Ouais, on va faire comme ça. Comme ça, avec les deux armes, on pourra aller s'occuper de Volkmar. Donc là, je vais pousser un petit peu. Peut-être que je vais perdre mes camps, mais je vais... Il faut pas que j'oublie que l'armée qui assiège aussi de l'autre côté, là-bas. Ismaël, tu me déclares la guerre aussi? Bah oui. Bah oui, bien sûr. Oh, on peut peut-être tomber cette armée là pour être sûr. Où est-ce qu'ils vont? Voilà, on se remet là.
I will not black my soul. Victoire décisive, je prends. Voilà. Karakirn est tombé. On fait tout de suite une garnison. J'ai 40 points, tu me diras. En vrai, les émissaires d'outre-tombe, ça sera pas utile contre les nains. Voilà. Bon, le camp, on va faire gaffe. Qui c'est qui a pris des points encore? Ah ouais, c'était Tau, pardon. Voilà. Je pense qu'en vrai on va s'occuper de Belhagar. Là je pense qu'il va au chaque tour il va continuer à virer tous ses traités avec nous. Donc on va le surveiller. Qu'est-ce que tu veux toi? Non mais tu vas pas t'y mettre toi aussi sans déconner. Menace stratégique, je suis en guerre contre les nains. Je sais pas pourquoi tout le monde m'en veut à ce point là quoi. Tout le monde veut me défoncer la gueule. Oh, un, wow. Je vais tenter, alors je vais me mettre là avec Scry, je vais voir comment ils vont réagir eux. Et on va essayer d'aller chercher, récupérer Myrmidons. Et si on voit que le Belhagar continue d'embêter le monde, on ira le défoncer, récupérer nos terres. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette VOD. YouTube, j'espère que ça vous a plu, donc on continuera d'avancer aussi. On a 21 colonies sur les 30, il ne nous reste plus que 9 à aller chercher. On se prend des trahisons de tous les côtés et des guerres, mais bon, en vrai c'est un bon point pour nous parce que ça nous permettra de récupérer les vies qui nous manquent. Voilà. Allez, je vous fais des bisous YouTube, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.